Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit achat effectué à Noroto pour une fois que c'est pas fait sur Amazon version Premium ou AliExpress ou eBay. Petit achat à Noroto concernant un gyrophare LED. Alors j'ai essayé de le mettre comme ça parce que tout à l'heure j'y avais une première prise, ça marchait pas. Gyrophare LED, pour faire simple. 12,90 € hein. Magnétique, 9 fonctions, étanche et lampe d'appoint au-dessus. Voilà. Et qui éclaire, les LED éclairent sur 360 degrés. Voilà. Je l'ai payé 12,90 €. J'en ai vu des beaucoup plus chers, des haut de gamme, des machins, des trucs qui surchargent et tout. Alors je dis si je dois le paumer, autant que je paume un truc à 12,90 € qu'un truc à 70 €. Hein. Donc voilà, ça c'est comme les couteaux et tout le reste. Voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté hein, par rapport à mon travail. Parce que dans mon travail, comme je conduis à l'engin avec une pelle et tout ça, on est obligé de se signaler au bord de la route. Et d'habitude, on a le gros bon vieux gyrophare orange. Hein. Avec, je crois, c'est l'ampoule H1 qui est dedans. Mais mon chic en ce moment, c'est de péter les prises. Voilà. On va peut-être pas l'avoir, la prise. Voilà. Mon chic, c'est de péter les prises. Alors, qui casse répare, bien sûr. J'ai acheté une prise de rechange que je vais souder après. Et voilà. Donc ça restera réparé, ça restera un gyrophare de secours qui se met en 12 volts, qu'il faut l'allume cigare et tout le train-train. Donc j'ai opté pour ce gyrophare à 12,90 € de chez Noroto. Voilà. Il a 9 fonctions, je l'ai dit, hein, il résiste aux intempéries et il fonctionne avec 3 piles triple A. Derrière, ben, rien de particulier sur l'emballage, hein, il est garanti un an. Et voilà, il permet de vous signaler. Alors moi, je l'ai dans mon travail pour signaler mon véhicule. Je vais l'utiliser aussi par rapport à la sécurité civile dont je fais partie, dans les transmissions, hein, dans les recherches de balises d'avion de détresse. On a des antennes et tout ça. Et comme on s'arrête souvent au bord de la route, il faut signaler. Alors, je voulais pas un gros gyro comme ça, comme l'autre avant, pour mettre sur ma voiture. Donc, un petit gyro comme ça sur le toit, ça le fera. Et troisième raison pour laquelle j'ai acheté ce gyrophare, c'est pour, enfin pour moi, c'est pour mon petit kit EDV, mon petit kit de voiture où j'ai une caisse, où j'ai de l'huile, du liquide de refroidissement, des gants, un triangle, un extincteur, voilà. Ça permet, quand on est en panne sur la route, de mieux se signaler. Hein. Les feux de détresse sont obligatoires, hein, le triangle, le gilet, et être à l'extérieur de son véhicule, hein, derrière un rail de sécurité ou derrière un. Enfin, voilà, il faut être planqué, hein, parce que durée de vie sur l'autoroute, c'est 20 minutes. Et ça permet aussi de poser ça, d'avoir ça dans son coffre, de le poser sur son toit. Hein. Il vaut mieux trop signaler que pas assez. Hein. Donc voilà, il y a une petite lumière d'appoint et il peut s'accrocher. J'ai plus d'ongles, c'est pareil. Et il a un petit crochet. Est-ce qu'on va voir le crochet? Voilà. Et il a un petit crochet pour qu'on s'en sert de lampe d'appoint. 9 fonctions, alors je vais les allumer, hein. Je ne sais pas si on va bien les voir. Fonction 1, flash. Alors je ne sais pas le rendu. Deuxième fonction, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Troisième fonction. Alors là, c'est SOS en morse. Voilà, vous l'avez. Là, full LED. Là, il est full LED faible. Hein. Avant, c'était full LED fort.
Là, il est quart de LED, enfin quart de cadran. Et là, vous avez votre petite lumière d'appoint. Voilà. Donc, je trouve important d'avoir ça dans son véhicule, hein, même au niveau professionnel, hein, ceux qui ont des engins de chantier. Bah, je touche à un petit mot à mon ami Pellerot. Voilà, ça pourra peut-être t'intéresser, hein, toi qui as le giro en permanence dans ta camionnette de survie. Donc voilà, Pedro, peut-être un achat que tu effectueras, tiens-moi au courant, voilà, l'ami. Donc voilà, prix 12,90 € chez Noroto. Il vaut mieux être trop signalé que pas assez. Pour le reste, je ne ferai pas la vidéo trop longue. Je remercie les nouveaux abonnés. Je vous remercie des commentaires. Je vous remercie pour les gens qui m'ont écrit sur mon adresse mail, hein, que je remettrai dans la description. Et comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants, à vos proches, hein, à vos animaux domestiques, parce que ça, je répéterai, même si je passe pour un idiot, il faut faire attention à ces bêtes, y prendre soin, les protéger, et leur apporter aussi beaucoup d'amour, ce qui est vachement important aussi, parce qu'ils nous en donnent. Et moi, je vois mes chiens, même si des fois je suis un peu tendu, eh ben, mes chiens sont pas rancuniers, voilà. Ça, c'est. Moi, de toute façon, je ne pourrais jamais vivre sans chien. Bon, bref. Et faites attention et restez attentif et vigilant. Il y a eu Stockholm il n'y a pas longtemps, camion fou, débile, ça prend 1 minute 30. Et des personnes avec un camion. Là, hier, un simili d'attentat, je vais dire, à l'engin explosif improvisé au bord de la route sur un bus de footballeur. Hein? Ça commence à changer de méthode. Et voilà, faut faire attention. De toute façon, si ça doit vous arriver un truc, ça vous arrivera dessus. Hein, pour avoir des stips sur la tête, tout ce que vous voulez. La météorite qu'elle va vous tomber sur la tronche, c'est comment elle va me tomber dessus. Hein. Alors, de toute façon, quand j'étais en Afghanistan, si un jour il aurait dû m'arriver une couille, ben voilà, j'aurais pas pu, même si j'étais prudent, ou même si on était prudent, et ben voilà, c'était notre jour. Quand c'est votre jour, de toute façon, vous ne pourrez pas fuir. Voilà. Ça, c'est pour ironiser un peu. Les situations compliquées dans lesquelles les gens se retrouvent suite à des attentats à la con faits par des cons. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et à plus sur ma chaîne et merci encore de regarder mes vidéos.